Qu'est-il advenu de cette ville? Avant, on y respectait les lois. La justice, c'est terminé. La criminalité est galopante. Les chats disparaissent et les habitants de South Park se font persécuter. Non mais, t'as un sacré toupet, petit! Qu'est-ce qui te prend? On était censé protéger ceux qui ne pouvaient pas se protéger eux-mêmes. Barre-toi de ma voiture, petit morveux! Aujourd'hui, les super-héros sont divisés par leurs différences politiques. Nous sommes deux camps qui s'affrontent. Mais la guerre ne sauvera pas notre ville. Le voyage temporel est mon seul espoir désormais. Les mythes parlent de temps immémoriaux. D'une époque où un nouveau roi parvint à unir un royaume se disputant un puissant bâton. Bonjour, trésor. Ta gueule, maman! Il n'y a pas de temps à perdre. Je dois retourner en arrière, trouver un moyen de changer le présent et sauver ce chat. Et ainsi, je pourrai peut-être changer le passé, notre passé à tous. Il en vient de tous les côtés! Ne les laissez pas atteindre notre base! Trop tard! Ils ont pris Kobakri! Les amis, ils ont envahi la base! Il faut les arrêter! Mort aux morts! Leur armure est trop solide! Ils portent des casques de vélo! Où est le roi? On devrait se réjouir qu'il se soit fait des amis aussi vite. Nous sommes venus ici pour nous cacher. Plus d'amis égale plus d'ennuis. Tu deviens parano. Décroche plutôt de ce truc, je commence à ne plus te reconnaître. Lâche-moi un peu. C'est le seul truc qui me détend et me permet d'oublier toutes tes conneries. Tiens, coucou, toi. Ah, tu es là? J'avais pas vu. Tes amis sont en bas.
Sors t'amuser. Hé, hey, regarde, t'as apporté une serviette. Hé, hey mec, je suis Serviettski, ton copain de jeu. De temps en temps, je te donnerai des tuyaux parce que, eh ben, tout le monde aime les tuyaux, pas vrai? Bon, allez, à plus tard. Maman, ne pleure pas, mon cœur. Elle a juste quelque chose dans l'œil. Majesté, les immondes morts tentent de prendre Koopa Kid. Vous devez venir vous battre, Majesté, vous êtes notre seul espoir. Majesté, hey, putain. Quoi? Tu viens juste d'arriver en ville et c'est toi le roi? Le roi des baltringues, ouais. Éclatez-lui la face à ce mort, sire. Allez, le roi! Donnez-leur une bonne correction, sire! Éclatez-les, sire! Je n'ai pas peur de toi et de tes combos royaux stratégiques. Notre roi est invincible. Allez, cette fois vous les écrasez, sire. J'ai un mauvais pressentiment. Bow! On ne peut pas l'arrêter. Préparez les gardes de la cour noire. Waouh! Vous avez vu ça? Le roi est incroyable! Ses pouvoirs sont sans pareil! Tu ne peux pas tous nous battre! Ouais, rentre chez ta mère! Les écoutez pas, sire! Cassez-leur la tête! Allez-y, défoncez-le! Vous n'avez aucune... C'est quoi ce merdier? Normalement, c'est à moi de commencer! Eh non, ça fait partie des privilèges du roi, c'est lui qui commence. Waouh! Le roi est trop puissant! Oh grand Dieu! T'inquiète, ce sont les méchants. Ah ouais! Allez, le roi!
Les morts ne craignent pas la mort. Ah, nom de Dieu! Les morts triompheront! Oh la vache! Wow! Écrasez-les, sire! Tout ça, c'est de la lave? Ouais, de là jusqu'à là, c'est de la lave. On peut pas la franchir. Merde! Allez, à l'assaut! Impossible! Ils disent que la lave nous barre l'accès à la porte! Ah, c'est pas juste! Que faut-il faire, Majesté? Qu'est-ce que vous faites? Vous mourrez! Lâchez le dragon! Un dragon? On est baisé. C'est le grognement du dragon! Il est super vénère. C'est pas vrai! Il est toujours pas mort! Je rêve ou il vient de péter sur un dragon? Ah ouais, tu crois pas? Notre roi ne sent même pas vos attaques! Préparez le souffle de feu! Évitez le souffle de feu! Terminez pas votre tour à un endroit où il risque de vous toucher. Notre roi dégaine son marteau de règne divin. Le roi est inarrêté. Voiture. Voiture. Restez pas sur la route, les moutards. La voie est libre. Je disais, le roi est inarrêtable! Il est tout puissant! Plus 10 en attaque! Oh, merde! Ce pourfendeur de dragon! Oh mon Dieu, il a vaincu le dragon! J'y crois pas! Ce gosse est surhumain! Peut-être qu'il y a une issue par le garage! S'il existe une issue par le garage, le roi la trouvera! Oui, seul le roi peut trouver le passage secret par le garage, si... enfin, s'il y en a... Oui, seul le roi, grâce à sa force et à son infinie sagesse, peut franchir cette barrière! Vas-y, Majesté, utilise ton intelligence inégalée pour trouver un moyen d'entrer!
Ouah, le roi connard est un super guerrier. Vous avez vu comment il a déplacé cette échelle et s'en est servi pour grimper? C'est vraiment le monarque le plus puissant de tous les royaumes. Oh putain, il est incroyable. Je croyais que le roi allait faire un super saut, mais en fait, il a fait ça. T'es mort. Qu'est-il arrivé au bâton de la vérité? Le mage l'a fait jeter dans l'océan. M'enfonce! Tu vas subir la colère des maures. Lâchez-le, païen! Libérez le barde ou vous devrez en répondre à sa majesté. Le roi! On raconte qu'il peut pourfendre un dragon d'un seul coup. C'est exact. Et si vous le... Une minute. Où est le mage? Je croyais qu'il était avec vous, les mecs. Non, on a reçu un signal de détresse nous convoquant ici. Le mage a disparu. Je suis le Cône, et je viens du futur. Mec, on a dit qu'on jouait plus à ça. Ouais, on est tous divisés, ça sert à rien. Justement! À mon époque, on subit une vague de criminalité et des chats disparaissent. Il ne me restait qu'un seul espoir, réunir l'équipe. Hé, tu peux pas s'en faire deux comme ça, où est le bâton de la vérité? La ferme, Kevin! Il s'agit pas d'un stupide bâton. Un chat est en danger, et c'est la clé pour démanteler le syndicat du crime qui s'est installé en ville. Dans l'avenir. Un syndicat du crime? Ça a l'air d'une affaire trop grosse pour le coup des sabots. Tu veux quoi, Clyde? Que ces connards de potes de la liberté retrouvent le chat? Qu'ils empochent les $100 de récompense et qu'ils rendent leur franchise de super-héros plus populaire? J'emmerde les potes de la liberté. Exactement. Mon ange, j'entends une forte sonnerie en provenance de ta salle de jeu au sous-sol. L'alerte! Allez les mecs, rassemblez vos affaires et rendez-vous au repère du Cône. Dans le futur. Cône et sa bande, rassemblement. Désolé les gars, vous pouvez pas jouer avec nous. On joue au super-héros, pas au boloss. Nick. Ta mère. Peut-être qu'on devrait aller voir Oreza si les serveuses savent quelque chose. Ça ne suffira pas, le moustique. Il faut agir vite avant que les potes de la liberté nous prennent de court. $100 de récompense. Tu sais ce que ça pourrait représenter pour notre franchise de super-héros? Il a l'air vieux, ce chat. Peut-être qu'il est mort dans une gouttière, et c'est tout. Homme cerf-voleur, dois-je te rappeler qu'à partir de maintenant, les potes de la liberté comptent 100 followers sur Instagram? On en a 6. Nous 5 et Billy Turner. Et il est roux, en plus. Il n'y a que comme ça qu'on pourra battre ces enfoirés. Mais où chercher? Ce chat pourrait être n'importe où. Il faut se séparer. Le moustique, envole-toi et va voir tous les parcs de la ville. Compris. Le moustique décolle. Homme cerf-volant, regarde si le chat n'est pas coincé dans un arbre. Super Craig, tu prends les conduites d'évacuation. Super Craig! C'est là qu'intervient ta vitesse surhumaine, Quickie. File au bureau du maire et dis-leur qu'on est sur le coup. Allons-y, Allons-y, le coup et sa bande. Excuse-moi. Ce dispositif pourrait faire voler la Voie lactée tout entière. Merde! Maman! Le nouveau joue avec mon cube de la destruction ultime! Sois gentil avec tous tes amis, Eric. Il faut savoir partager ses jouets. Partager ses jouets? C'est toute la galaxie qui risque de sauter, pétasse! Écoute, on t'a déjà dit que tu peux pas jouer. T'es pas un super-héros, t'as pas de costume et t'as pas de super-pouvoir. Bon, ok, tu peux nous regarder jouer aux super-héros. Eh ben, t'en a fallu du temps. Cette affaire des actifs. Tu veux devenir un véritable super-héros, hein? Jouer dans la cour des grands. Peut-être que tu pourrais te rendre utile. Assieds-toi à la table, connard. Voyons voir, les NSA du moustique. La vache. C'est du langage humain, ça? Alors, pour jouer au super-héros... Il faut que tu te crées un personnage de super-héros. Ensuite, tu pourras remplir ta fiche personnage sur Instagram. T'as bien une page Instagram? Oh, j'y crois pas. T'es même pas sur Instagram? Oh, bon, je vais t'en créer une. On se fout de ma gueule, là. Alors, Donc, la première chose à renseigner sur ta... Speedster! Comme t'es un noob, je vais te laisser le choix entre trois options pour l'instant. Brutaliste.
exploseur. Brutaliste. Speedster. Brutaliste. Un brutaliste comme The Thing ou comme un Batman super vénère. C'est un grand moment pour toi, tu dois être un speedster. Ça risque d'énerver Quickie, mais d'accord. Un exploseur, doué de pouvoir à distance, comme Cyclope. Speedster. D'accord, connard, mais d'abord, on doit déterminer le trauma qui a fait basculer ta vie. Tu vois, connard, tous les super-héros ont des origines marquantes. C'est de ces origines que leurs pouvoirs prennent tout leur sens. Revenons sur ton enfance. Cette nuit-là, impossible de fermer l'œil. Comme bien d'autres nuits, tu n'arrives pas à dormir car tu te sais différent des autres. Tu t'approches du miroir. Tu t'approches du miroir. Là-bas, le miroir. Tu te regardes dans la glace et tu te sens seul. Et c'est là que tout chavire. Un bruit. Tu jurerais que ta mère appelle à l'aide. Tu sors de ta chambre. Là, dans le couloir, tu aperçois deux intrus devant la porte de tes parents. Il faut les empêcher de nuire. Tu sais que tu peux les arrêter. Pour la première fois, tu fais appel à tes pouvoirs de colosse. Un vrai héros brutaliste super fort, tu fais craquer tes doigts, prêt à te battre. Tu fais ravaler à l'intrus ses moqueries avec un rapide pain brutal. L'intrus recule en titubant, désorienté. Bon sang, t'es quoi, une espèce de super héros? Il riposte mollement. Il est dans les cordes. Mais deux autres malfaisants arrivent par derrière. Tu te retournes pour affronter tes nouveaux ennemis. Tu charges, c'est bon à rien. Ton inertie de boule de démolition envoie l'un valser sur l'autre. Et m'occuper du gamin, frère malfaisant. Le premier intrus revient dans la mêlée et te cogne pour t'amener là où il voulait. T'es juste là où on voulait, gamin. Tu vas faire quoi maintenant, super-héros? Mais c'est toi qui les as eus en envoyant un coup venu du fond de tes tripes. Putain, c'est dégueu! J'en peux plus! Ah! L'un des voyous était tellement écœuré que ça l'a littéralement achevé! Cool! Ses compagnons se sont enfuis, mais le plus gros et le plus moche des intrus approche. Et il t'envoie ses poings dans le buffet! Mais chaque coup révèle ton être profond! Un truc totalement brutal! Putain, trop cool! Et tu en viens finalement à bout! Tout semble rentrer dans l'ordre, jusqu'à ce que tu arrives à la porte de tes parents. Ce que tu vas voir en ouvrant la porte va changer ta vie à jamais et te pousser à combattre le crime. Mais il est trop tard. En ouvrant la porte, tu vois ton père baiser ta mère. Wow, c'est un récit quasi insoutenable. Tu combats le crime car tu n'as jamais pu oublier la nuit où tu es arrivé trop tard, où tu as vu ton propre père, l'homme en qui tu avais confiance. Mais c'est ta mère. C'est comme une faille irréparable dans le temps, n'est-ce pas? Bon, maintenant que t'es un super-héros, j'ai une mission pour toi. Va en ville et essaie de récupérer le plus de followers possible sur Instagram. C'est la seule solution pour que notre franchise survive.